France Affaires, il est 8h. Il y a un truc aujourd'hui, j'ai pas le temps d'aller chercher Magali, il faudrait faire les courses aussi. Vous auriez un conseiller pour conserver à la fois le travail et la santé, j'ai envie de dire. Tout à fait. Il faut bien être conscient que tout se joue exactement à ce moment charnière intitulé « Le petit déjeuner ». Bien avant l'ère du grille-pain, il était extrêmement fastidieux de rassembler et de préparer les éléments qui composeraient le premier repas de la journée. Pour peu que la région soit moins fertile, que la saison soit rude et que le garde-manger ait été dévasté par les rongeurs, l'affaire devenait vraiment délicate. Cueillette ou la chasse pouvait alors durer plusieurs jours avant que ne soit possible ce fameux repas que les nutritionnistes d'aujourd'hui considèrent comme le plus important de la journée. Ce genre de cas, le mieux qu'on avait à faire était de rester couché en attendant que le petit déjeuner se fasse de lui-même. Il va de soi que si tous nos ancêtres avaient agi de la sorte, ils seraient tous morts de faim et nous ne serions pas là pour en parler. C'est pourquoi l'humanité s'est alors scindée en deux classes bien distinctes. L'une irait préparer à manger et l'autre resterait couchée en attendant. Ces deux facettes de nous-mêmes, l'une éternellement tentée par l'action, toujours prête à bondir, l'autre partisane du moindre effort et farouche adepte de la grasse matinée, n'ont cessé de se chamailler à travers les âges et jusqu'à aujourd'hui. Pour asseoir sa suprématie, l'une inventa le travail et l'école, colonisant les foyers avec son arme absolue, appelée réveil matin. L'autre, encore bien vivante avec son armée de leftards et de feignantes, elle résiste malgré les machines à café et les petits-déj instantanés. Malgré les mauvaises nouvelles et les changements de gouvernement, malgré les crises économiques et les nouvelles technologies, malgré tous les progrès de l'humanité, elle résiste encore et toujours en restant au lit de longues heures
à rien foutre. D'après les derniers avancements de la recherche dans le domaine de la flémardise, il semblerait que ce mal soit totalement incurable et que le mieux que l'on puisse faire pour masquer ses symptômes soit justement de ne rien faire. Eh bien, merci professeur Frischtuck. Tout de suite, nous allons faire un petit détour à la Bourse de Paris où nous attend Michel Braillard. Bonjour Michel. Michel Braillard à la Bourse de Paris. Michel. Michel.